Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 pour le mode commando, mais bien évidemment pour l'émission du jour. Donc là, on pourra utiliser donc le cher Eugénie, et tout simplement parce que aujourd'hui, on va avoir deux personnages full expérience de repos. Gabe est obligatoire, donc du coup, ben, c'est parfait, on va pouvoir monter encore et encore nos fameux personnages, sans trop de soucis. Allez, c'est parti, mission du jour, on y va. Bon, ça nous fait faire 92 000, c'est pas mal, hein. On crache pas dessus au niveau de l'expérience, c'est vraiment cool. Justement, on va avoir pas mal de niveaux grâce à ça. Donc c'est pour ça, faut mieux prendre les missions d'opération où vous avez vraiment un maximum d'expérience. En tout cas, à mon avis, à la fin, quand vous avez plusieurs personnages niveau, on va dire, à peu près niveau 60, ça commence déjà à être plus long pour monter les niveaux. Bon bah, on va les calmer comme on peut. Dans le dos. Bon, c'est pour ça que je vais déstabiliser celui-ci ou le tuer, éventuellement. Et voilà. On l'a fort chargé, donc vous allez attendre les pépérés. Oh, j'ai pas de bol. Il est juste tout près de moi. Bon, c'est pas une mission la plus compliquée, ça va. Et largement réalisable. On se calme. Oh non! La pénétration de cette arme a fait que le baril a pété. Donc du coup, je fais moins dégâts que j'aurais dû faire. C'est triste. Triste, triste, triste. Allez, hop, on se calme, tu veux aller. C'est un petit peu comme le Peter Pan. Le héros autopropulsé. Sauf que toi, tu voles grâce aux cartouches de fusil à pompe. C'est quoi, c'est un zombie? Non, c'est pas un pourri, un fameux zombie. Boum. Oh, c'est dégueulasse. Ok. Va faire quand même regarder si derrière moi il n'y en avait pas. Hein. Ouais, pour le moment c'est que du fusil sniper que je préfère utiliser. Ah dommage. Là ça a piqué par contre. Je crois qu'il va même exploser très rapidement le kamikaze. Oh, il m'a bien aidé. Ça m'a vachement bien aidé là. Oh piti. Il n'y a pas de peuple là. On le voit. Un petit peu déchaîné. Ah mince! L'autre il était en kamikaze, j'ai pas vu. J'ai des plans. Ça va être la merde. C'est bon. Sauf que là, vous savez très bien, c'est qu'on a bientôt, voilà, les claps. Et eux, comme je sais pas vraiment où ils sont, ils vont être derrière. D'accord, parfait. Bon, ça me déplaît pas. Voilà. C'est surtout eux que j'avais peur. Les claps. Mais bon, ça va. Ils sont restés là où je souhaitais, c'était vraiment dans ce coin-ci. Comme ça, vous avez largement le temps de pouvoir les atteindre. Avec un fusil de précision ou un magnum.
Ça peut être sympa. Alors, on sera combien? Grande chance qu'on soit 38 et pas 39. Ça va. C'est correct. On monte progressivement. C'est l'importance. De toute façon, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'avais vu quelque chose qui permettrait encore de rallonger, en fait. Et c'est pas voulu, hein. En fait, vous avez trois difficultés en mission d'opération, mais apparemment, il n'y en a pas que trois, il y en a une quatrième. Donc, s'il y en a vraiment une quatrième, c'est un peu une grande surprise. Donc, à mon avis, là, ça doit être un niveau bien plus élevé, quoi. Donc, grosso merdo, il y aurait encore un niveau en plus. Enfin, c'est ce que j'ai vu, hein, mais après... C'est quand justement je regardais un petit peu les personnes qui font le plus de dégâts sur les titans, et apparemment il y aurait un code rouge. Donc vous l'avez en normal, en difficile, en très difficile, donc en gros en expert, et après vous avez code rouge. Ah bah... les deux qui meurent dans le même niveau. Excusez-moi pour la toux. C'est vraiment les deux qui meurent au même endroit, quoi. Un meurt au niveau de l'hélicoptère, et Pedro, juste ici, on le voit en train de muter. Terrible. Ah, je pensais que ça aurait été ici. Alors là, on ne peut pas parce que c'est pas Pedro. Hein. Comme si tu es 4 ennemis, ouais. Faudra faire plus tard. La fameuse perceuse. Là, j'espère qu'on pourra quand même prendre une deuxième arme avec Gabe. Parce que le pauvre, il a que le fusil à pompe depuis les biens. C'est pas folichon. Donc ça voudrait dire que Gabe est plus long à démarrer. Et peut être aussi plus complexe. Donc. Oh, ça fait mal. C'est un ennemi en or, il subit quand même moins de coups des balles, mais ils ont aussi moins de PV, heureusement. Ah d'accord, les deux avaient subi en fait. Parfait. Ok, bon bah c'est de le tuer au couteau. Économiser quand même un peu de balles. Hop. Quand ils sont longs, ça va pour esquiver. Ah là par contre, quand il meurt, il est plus rapide. Faut savoir, hein, pépère. Ah, vous voyez, les munitions, c'est pas fou. Hein. Surtout quand on prend pas d'amélioration par rapport au personnage, ben c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas le type de niveau que j'aurais voulu faire avec Gabe. Il subit rien, c'est un peu malade. Bon, faut les attendre. Voilà. Faut les attendre pour faire ça. Maintenant, c'est à bouclier. C'est quoi qui m'attendra ensuite encore? Bon, ça va. Le bouclier a pas été bien chiant. Oh. Maintenant, ça y est, c'est les pourris qui s'y mettent. Oh là là. Alors, si on a un Pedro avec une habilité comme celle-ci, bah on pleure, c'est ça? Là, on n'aura pas trop le choix de mourir, en fait. Par rapport aux munitions, je parle bien. Oh non. En plus, ça aurait pu être utile. T'inquiète, t'es bientôt mort, toi. Bon, par contre, Pedro, calme-toi.
Calmons-nous. Comment t'avoir? Oh. Oh ouais, y a moyen. Tout doucement, mais sûrement. Faut juste en fait qu'ils foncent pas, parce que s'ils foncent, c'est le one shot. Ouais, peut-être que ça peut être fort. Ça y est, ils foncent. Bon, ça lui a pas fait vraiment mal. On essaye tant bien que mal. Ouais. Là, c'est le one shot aussi, il me semble, celle-ci. Ou alors, on subit vraiment pas mal de coups. Bon. On va se casser. Oh punaise, c'est la merde. Y a pas des munitions dans les parages là? Là ils foncent. Hein. Ouais, fonce. Oh, ça peut jouer. Ouais, 8 balles, je sais pas si ça peut jouer avec lui. Mais il faudrait qu'il nous fonce dessus et qu'on bloque contre un mur à chaque fois. Voilà, c'est pas trop ce qu'il a envie de faire en fait. Triste. Allez, fonce pépère. Non, t'aurais dû te bloquer. Ou même là, hein, si tu peux se bloquer au mur. Oh punaise, il veut pas. On peut l'avoir. J'ai essayé. Oh punaise, c'est pas encore le cas. Merde. Oh punaise, c'est pas encore bon. Par contre là on y arrive presque. Coucou. Ben, je veux que tu fonces pépère. Fonce. Ah. Oui. Il l'a fait. Tant pis si on subit des dégâts, mais là. Yes, on l'a eu. Bon, on n'était pas obligé de mourir. On a subi des coups. Hein. Ça, on va pas se le cacher, mais. C'est fait. Malgré qu'on a dû le finir au couteau. C'est pour ça que c'est très dangereux d'avoir qu'une seule arme. Là, j'espère vraiment, je crois que c'était niveau 25 en plus pour débloquer sa seconde arme. Donc j'espère vraiment l'avoir. Parce que je vous avoue qu'une arme, c'est vraiment compliqué. On va pas être prendre quasiment 5 niveaux, là. Je pense qu'on était 23. Je sais plus. Bah, si on était 23, c'était bien. Si on était 24, bah ça nous fait 4 niveaux, on verra. Bon. On verra bien comment ça sera avec Gabe, parce que bon, là c'est vrai que c'est... Ah. C'était un peu catastrophique d'avoir qu'une seule arme. Éventuellement, pour lui, je pense que le Muramasa, ça peut être très bien. Les habilités, je pense qu'il y en avait qu'une hein, de particulière. Voilà, il n'y a pas d'autres habilités sympathiques, il faudra attendre de les débloquer avec... Les autres personnages, par contre, celle-ci, on pourrait l'améliorer et aussi l'avoir, du coup, pour les autres. Et bien, donc, voilà, les amis, c'est terminé pour cet épisode-ci. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouve donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Allez, salut à tous, les amis!